Alors, pour commencer ce parcours itinéraire technique en maraîchage sol vivant, reposons les questions de pourquoi faire du maraîchage sol vivant avant de commencer. Euh, pourquoi faire du maraîchage sol vivant Eh bien, d'abord, parce que on a vu le schéma dans la partie agronomie, le schéma de l'autofertilité des sols, qui nous indique qu'il euh, y a de bonnes chances que ça, pousse, euh, mais que ça pousse tout seul, que ça pousse tout seul, grâce à une bonne activité biologique dans les sols, grâce à une bonne porosité générée par la, la même activité biologique, et grâce à un flux de nutriments, avec une réserve, avec un stock bien rempli, un sol, euh, donc une maison en bon état. On peut aller un peu plus loin en se posant les questions quels sont les résultats du maraîchage sol vivant. Quels sont les résultats? Euh, pour aller regarder ça, on va reprendre beaucoup de données qui sont issues de la culture de conservation des sols, où il y a eu de nombreuses études scientifiques euh, poussées depuis plusieurs années, euh, qui affichent euh, ben, tous les, des données assez intéressantes sur les sols vivants. Alors, euh, avant de rentrer dans ces études, le premier constat qu'on peut faire quand on observe le réseau des fermes maraîchage -sol vivant, c'est que la moyenne des fermes, euh, la moyenne des sols des fermes est de 5 de matière organique, 5 de matière organique, alors que la moyenne des sols en France est de l'ordre de 2 euh, On voit là une différence énorme en termes euh, de stock, de réserve, et on va le voir aussi euh, de tout un tas de bonnes propriétés liées à une forte, euh, fort niveau de matière organique dans les sols. Un des résultats qu que l'on a quand on fait du sol vivant, c'est qu'on nourrit les vers de terre et donc ils sont nombreux, ils se développent en bonne quantité. Un sol de manière classique est entre 200 à 500 grammes de vers de terre par mètre carré quand il est vivant. Il va en avoir à peu près un peu, un peu moins de dix fois moins si le sol est travaillé. Un autre point, c'est que ces mêmes vers de terre apportent une forte bio, une, une forte porosité, une bioporosité, euh, qu'on peut mesurer, qui a, qui a été euh, démontrée, euh, qui est tant réalisée par les vers de terre et aussi toutes les petits vers, les nématodes, voire même euh, les, les, des rongeurs qu'on aime moins, comme les campagnols qui vont euh, ou les taupes qui vont euh, faire des galeries dans le sol. Que aussi par les racines et donc cette forte porosité c'est celle qui va nous permettre d'arrêter de travailler les sols parce qu'on est sûr que les sols vont être très bien aérés. Beaucoup d'activités biologiques, beaucoup de vers de terre et euh, eh bien ce sont deux choses qui sont très liées euh, si vous avez euh, pour un kilo de vers de terre il faut compter 3-4 kilos de euh, bactéries, champignons qui vont avec puisque tout simplement les vers de terre vont aller euh, transporter, disséminer sur tout le profil euh, du sol euh, des bactéries et vont même ensemencer le, la matière organique qu'ils digèrent cette forte activité biologique euh, va stocker du carbone. le stockage du carbone euh, est mesurable et il est vraiment très important. on peut euh, avoir une ordre de grandeur qu'on va déstocker. 0,3 tonnes par hectare et par an quand on fait un labour. Et si on a des très bonnes pratiques, et bien on va peut-être pouvoir stocker une tonne de carbone par hectare et par an. C'est des résultats qui ont été mesurés et qui sont fort intéressants pour lutter contre le réchauffement climatique, pour aller stocker, récupérer toutes les émissions de CO2 venant de l'activité humaine. Un sol paillé, un sol couvert. C'est un, un bon point aussi, c'est euh, de résister aux écarts et aux variations fortes de température. Alors si on est paillé et qu'il y a une canicule, on peut mesurer une diminution de la température du sol. Et du coup, le sol va être plus frais en plein été. Euh, et on peut gagner 5-7 degrés grâce au paillage. Inversement, l'hiver, les légumes ne vont peut-être pas geler sous le paillage, du fait du caractère isolant des matériaux de paillage ou de mulchage. Un point négatif qui va avec ça, évidemment, c'est que un paillage est un... Euh, empêche le réchauffement au printemps des sols. Euh, un sol nu va se réchauffer beaucoup plus vite qu'un sol paillé couvert euh, au printemps, ce qui va poser problème pour, toutes les, pour tous les légumes qui ont besoin de chaleur euh, pour, des, pour bien démarrer. On, on pense en particulier aux légumes d'été. Alors, euh, un paillage, on peut aussi quantifier son effet sur la le cap, la captation de l'eau, la captation de l'eau. Pourquoi Parce qu'on va limiter euh, l'évapotranspiration. Qu'on utilise une bâche ou euh, un mulch ou un couvert végétal. Et ben, en plein été, on peut gagner 25 mm euh, par jour de limitation de l'évapotranspiration grâce au fait que le sol soit couvert. On, on pourrait aussi parler euh, de rosée, alors c'est peut-être pas forcément vrai pour les paillages, c'est plus vrai pour des, des plantes, mais avec les plantes on peut gagner quelques millimètres par jour hein, grâce à la rosée qui est créée par le végétal à la, à la, surface, euh, du sol. Enfin, à la surface et dans les premiers centimètres du sol. Et puis on parlait de matière organique. La matière organique, elle est très importante parce que c'est un bon indicateur de bah, l'état du, du stock euh, de, du garde-manger de votre maison, euh, mais aussi des réserves en eau. Alors, la matière organique, elle est reliée à la capacité de stockage du carbone à la fameuse CEC. Plus vous avez de matière organique, plus la CEC est grande. Et plus vous avez de matière organique, plus vous avez une réserve utile en eau qui est grande. Donc plus vous pouvez euh, stocker de l'eau, charger le profil en eau et restituer doucement, petit à petit, l'eau en fonction des besoins. alors pour accéder, il euh, y, a, y, a, y a une moitié de l'eau qui est disponible, qui est fluide, qui, qui se déplace dans le sol librement. et une moitié d'eau qui est moins accessible pour les plantes, et la seule manière d'accéder à cette eau-là c'est d'avoir des mycorhizes qui vont aller chercher l'eau que les radicelles ne sont incapables d'aller chercher et accéder à plus d'eau. Et puis, être capable d'avoir un grand réservoir, c'est aussi être capable de tamponner des grands excès d'eau et de, 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 de digérer des gros afflux d'eau éviter d'avoir des phénomènes d'érosion. Alors voilà déjà des résultats très concrets du maraîchage sol vivant sur la partie agronomique, sur la partie environnementale. Et eh bien euh, un grand intérêt, c'est que la plupart des, des maraîchers du réseau maraîchage sol vivant sont labellisés agriculture biologique la bise agriculture biologique euh, ça veut dire pas de euh, pas de produits euh, chimiques qui sont utilisés euh, ça veut dire euh, pas d'engrais chimiques utilisés et euh, au-delà de ça on voit quand même une moins grande besoin de tout ce qui est utilisation de cuivre par exemple pour le mildiou utilisation d'antilimace euh, on voit donc un un indice de fréquence de traitement là qui, qui est le, le le paramètre qui permet de quantifier l'intensité d'usage de produits chimiques ou naturels qui ont un impact sur le sol, et eh bien euh, ce, cet indice est très faible. Au niveau des ravageurs, euh, on en parlera en détail. Comment est-ce qu'on va lutter contre les ravageurs Mais euh, on constate dès le, et on peut déjà le dire, c'est un des résultats, c'est que des légumes qui poussent sur un sol en bonne santé sont plutôt en bonne santé. Et euh, donc on a dans le réseau maraîchage suivant une moins bonne connaissance de tous les ravageurs, tout simplement parce qu'on les voit moins. On va peut-être comme avoir des problèmes de gestion de limaces si c'est pas bien pris en compte. Euh, Peut-être quelques problèmes de mouches, mouches de la carotte, mouches du poireau, euh, aussi des problèmes d'altise, mais euh, il n'y a pas forcément, euh, et c'est assez rare, de voir des, des problèmes d'attaque de, de, de champignons, des attaques de virus sur des légumes euh, dans, dans les fermes du réseau maraîchage solivant. Dernier point sur euh, l'usage en eau en maraîchage solivant, on a parlé d'une plus grosse réserve utile. Est-ce qu'on peut complètement se passer l'irrigation en maraîchage solvant, et eh ce qu'on constate sur les, sur les fermes du réseau et ce qu'on constate avec euh, des dernières années, avec des périodes très séchantes, c'est que l'irrigation est un outil euh, de garantie, de sécurisation du revenu, sécurisation de la levée euh, des graines. par exemple, un semis de carottes, un semis de carottes sans eau va être très aléatoire. Et puis aussi ces du rendement, euh, voire décu, décupler le rendement par l'irrigation. Parce que si vous avez pendant trois semaines, par exemple, les courges qui sont toutes fanées parce qu'il fait trop chaud, et bien pendant ces trois semaines, elles ne vont pas du tout pouvoir bénéficier de l'intense euh, ensoleillement de cette période. Elles vont rester là, calées alors que c'est une période où il y a beaucoup à faire. Euh, beaucoup à faire, euh, donc comment est-ce que l'on on règle ça ben, On va faire peut-être un, un ou deux arrosages au moment où il fait le plus chaud pour re recharger la réserve utile euh, qui aurait pu être vidée. Et euh, avec cette simple arrosage, on va pouvoir décupler les rendements. Euh, je parle du nord de la Loire. Au sud de la Loire, évidemment, l'arrosage est, est généralement indispensable tout au long de la culture euh, à cause des déficits hydriques. Donc, euh, un dernier point sur les rendements, le sapousse tout seul. Le sapouche tout seul euh, s'applique euh, très bien pour pas mal de légumes, euh, pas tous, euh, mais on a des résultats exceptionnels, par exemple sur les courges ou les oignons, où pour ces deux légumes, on peut mesurer des rendements de 80 tonnes par hectare, ça veut dire 8 kg par mètre carré, euh, 80 tonnes par hectare, alors que le meilleur du conventionnel sur la courge a un rendement moyen de 50 tonnes. Donc on voit euh, un légume où... Aucune opération n'est faite autre que poser une bâche planté dedans et récolté et où on a des, me des meilleurs résultats que toute l'agriculture chimique. C'est la même chose pour les oignons, où les oignons, on a un ordre de grandeur euh, de 5-6 kg, c'est-à-dire 50-60 tonnes de rendement à l'hectare, euh, alors qu'on on peut mesurer jusqu'à 80 tonnes euh, sans aucune intervention autre que pailler, euh, poser les bibis euh, et récolter. Il y a des légumes où ça marche moins bien. Euh, je pense par exemple à la pomme de terre. La pomme de terre répond pas très bien à un sol où la, la, la fertilisation de la plante est essentiellement organique. La pomme de terre réagit maintenant de trop à une fertilisation euh, minérale, euh, fertilisation chimique, qui fait qu'un rendement classique de pomme de terre, c'est de 80 tonnes. Euh, par hectare alors qu'en maraîcher vivant on va avoir des rendements qui varient entre 30 et 50 tonnes par hectare. C'est quand même mieux que l'agriculture biologique avec des rendements moyens de 20-30 tonnes par hectare dans les guides de référence euh, fournis par la, les, les instituts de l'agriculture biologique. Alors pour aller un peu plus loin, euh, pour aller un petit peu plus loin, si vous voulez euh, découvrir et pour suivre l'introduction, je vous propose une série de vidéos, six vidéos de 20 à 30 minutes, qui permettent de bien cadrer euh, avec différentes, euh, différentes personnes qui vont vous expliquer euh, quelle est leur vision, qu'est-ce que ça apporte selon eux un seul vivant, et aussi des portraits de ferme pour pouvoir aussi donner envie à se mettre à cultiver des légumes.